m'entends pas, c'est que t'es pas là. Oui, c'est bon, je suis là. Alors, disons que j'avais la musique Un un peu peu trop fort. forte. Mais écoute, je Non, mais en suis fait. ready. Hein? Je suis ready, je t'attends. Ah! C'est parce qu'en fait, j'ai trouvé le Despacito. Ouais. Mais c'est une môme qui l'a refait au violon et genre c'est super bien fait. Bah, envoie le lien. D'ailleurs, t'aurais pu m'envoyer le lien pour la musique que tu m'as dit. Bah J'aurais dû en fait, je l'ai l'envoyer. téléchargé sur mon PC, je l'écoutais pas sur YouTube. Ah. C'est pour ça. Moi, il y a bien un remix que j'aime bien de Despacito. Et pourtant, c'est une môme. Elle est toute jeune, mais je sais pas, elle fait ça super bien. C'est Lindsey Stirling. C'est au violon, c'est génial. Je sais pas, je sais pas, j'aime bien alors. Tiens, moi j'aime bien celle-là de remix. Sur en trap, on va l'écouter. Attends, c'est une enfant! C'est vraiment elle qui l'a fait, sérieux? Et oui, et elle fait ça super bien. Et Elle je sais fait ça pas. comme une pro! Mais pire, mais c'est pour ça, c'est génial, j'adore. Des années d'expérience, ça. Ah mais. C'est une russe ou une polonaise. Ah non mais je sais pas, enfin, je suis tombé là-dessus, j'étais refait. Mais elle a l'air d'avoir 8 ou 9 ans, elle. Mais oui, mais je sais pas quel âge elle a, C'est mais. impossible, c'est-à-dire qu'elle ferait du violon depuis qu'elle a 4 ans. Genre, elle est sortie du ventre de sa mère avec un violon dans les mains. Putain, charge indue, ça a pas marché chaque fois. Elle démarre joie nue. Ah c'est bon. Ben non. Je sais pas, j'étais super choqué. Ouais, je suis pas emballé par ton remix, ça fait peut-être un peu trop trap. Ah ouais? Je sais pas, moi je trouve tellement génial ce remix. Je sais pas, après avoir écouté l'autre avec son violon là. Ah Je sais pas, c'est pas possible de faire du violon aussi bien que ça, bah déjà. si, mais ça demande beaucoup d'entraînement. C'est pour ça qu'elle est Oui. jeune, je me dis qu'elle a dû commencer super tôt. Bah carrément. Peut-être qu'elle est pas en musicien aussi. Peut-être. Ça expliquerait. Ou alors elle fait juste semblant et en fait c'est quelqu'un d'autre qui fait le remix. Non, je pense pas. J'ai essayé de voir si c'était ça, mais je pense pas. À part si c'est super bien fait, mais. Alors, Alonso. Ah, je l'ai déjà mis. Captain 2017. Tu me dis si on trouvait une partie, hein. Ouais, on a Je trouvé suis pas. On est dans la partie déjà? Non, mais ça devrait pas tarder. Ah, ça y est, ça commence. Oh, j'ai pas de son. Ah, bravo, c'est vrai. Oh. Ouais, je ferais Yonem, le choix de la qualité, toujours. parce qu'en fait, je t'explique, j'ai dégoté un petit exemple pour assembler le son de ma console et du PC. C'est pas forcément tellement ce que je veux, mais du coup, j'ai pas changé les sorties audio sur ce. Je peux pomper le mec. Ah oui, j'ai vu que tu jouais au KGB. Je viens de me faire enculer. En même temps, j'ai tellement pas la. Hein? La Oh, il musique joue au à fond. shootgun aussi! Ah bah oui, mais lui il joue pour le KSG. Ah non. Ah non. Oh, il y a du camper, je suis toujours là, j'apprécie. Oh, je tiens pas cette espèce. Oh, le shootgun, casse-toi! Oh, j'ai le ken. Et donc, ce mec dire qu'il a un petit nucléaire, lui à mon avis, c'est un cheater. Hein. Un petit nucléaire niveau 25 et tout là. Enfin, pas de petit nucléaire, mais. Mais là, devant toi. J'ai un aim bot en vrai. Puisque je me commence à. Ouais, ça va un peu malade toi.
Ah, t'es balade. Ouais, faut pas que je trouve quand même. Est-ce que je crache mes poumons et tout Ah non. Je prends les murs en plus. Il tire à Jot. Oh, est-ce que j'arrive lui. Putain, ah, je suis trop con. Drone en approche. Il y en a un là. Au mid, au mid, au mid. Il y en a un autre qui arrive sur moi là. Normalement, mais il vient pas. Je l'ai tué. J'en ai qu'un. Je pense qu'il y a un deuxième, non? Peut-être. J'ai bien foudroiement. J'ai pas de son et je suis en 9-1 quoi. Dis donc, ta tourelle, il y a une botte, mec. Pourquoi? Je voyais pas les mecs, elle avait déjà commencé à tirer dessus. Ça me dégoûte quoi. Je vais me faire tuer. Il y en a un derrière moi, il est au milieu, il va peut-être casser ma tourelle. Tire dessus, aïe 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 aïe. Merci. Je fais ce que j'ai pu. Ouais, non, j'ai pas eu le temps de tirer à droite. Fais gaffe à chapeau. À mon avis, il a un petit truc chapeau. Ouais, j'en ai enfilé tes deux là. Oh putain, il y en a un qui casse ma tourelle. Ouais, mais je peux pas. Ça m'étonnerait que le mec il ait le défi d'être sûr au niveau 25 et tout. Oh putain, je suis 25 et tout. Et je joue sans son là avec Véronique, c'est un peu compliqué. Hein. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère a acheté Borderlands 2 sur PC et j'ai le conférence call. S'il demandait au niveau 30. Ah, salaud! Bien joué! Le conférence call qui est dormi 4 heures et que j'ai jamais eu. Merci de m'avoir sauvé. Allez, gros C4. What? 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 Je lui ai tiré deux fois dessus, il a rien pris! En plus, de ça, le mec il tire à l'avance et tout. Donc, c'est quoi là cette team 420 sus boule en chef là, 420 cheater? Ah, j'ai pas le temps de tirer. Je sais pas s'il arrive le TTP là. What? Le mec, j'étais 200% dessus! Ça, c'est parce que c'est des putains de lagueurs. Le timing à la Faptice. Tu joues dans ton micro, mon péno. Et merci à toi et Turco Force pour le follow. Bienvenue à toi. La blague Véronique sans son nom est illégale depuis 10 000 ans. La blague Véronique? Ouais, c'est Véronique sans son nom, je l'ai faite. Ouais, j'avais remarqué, hein. What? Putain, il casse les couilles, les 420. Call de merde, si tu veux le récup, je te dirai quand ça roule. De toute façon, j'ai pas de jeu d'installé, donc faudrait que je le DL, mais. Ça me prendra 20 minutes, mais. Non, casse-toi. Non! J'ai pas eu le temps de le tuer, le Cuphead! Oh, j'ai pas vu la killcam. Qui c'est qui m'a tué? Ok. C'était lui. Casse des bouches chansons, hein. Putain. Drone en approche. Il est toujours à temps, mais il est mort. Non, il est mort. Il disparaît. Tu me fileras la Watrot, ça salope. Le pire, il me le refilera après de toute façon. Je vais avoir un allié qui arrête de me casser les pieds à me coincer là. Merde, je me suis tué comme un connard. Je tire à côté, je tue. Merde. Je vise le mec, je touche pas, je tire à côté, je tue. Non, de merde. Oh non, on m'a volé mon... Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte, c'est moi qui l'avais. Putain. Le premier qui peut le prendre l'aura. Watrox pour l'utiliser, salope. Alors, est-ce qu'il y a moyen de quitter cet accueil pour que je fasse mes réglages de son? Il y a moyen, laisse-moi deux secondes.
Hey dude, why am I new? Tueur à la chaîne, tueur nucléaire, voilà. Voilà, donc lui c'est pur cheater, hein, il sera jamais ban parce que les mecs chez Steam. Hey dude, you caught me. Hop, ta gueule, Sausage. Voilà, donc comme prévu, hein, Chafou c'est un cheater. Ah. Voilà, hop, signalé. Je quitte le groupe parce que faut que quitter ça aussi. Non, je relance pas, c'est juste à audio, ici. Voilà. Genre, le mec, il a tout. Hein. Il a tout, ce mec. Il est incroyable. Regardez. Et là il sera... Et le mec, il sera pas ban parce que chez Steam, ils sont un peu trop cons. Tueur à la chaîne. Réussissez plus de... Tuer plus de 8 joueurs. Tueur nucléaire. Tueur garde. Les petites médailles. Tu vois que le mec, il dépasse pas la sans pitié. Hein. Donc 4, hein. On est loin du 30. Hein. Et ensuite, c'était quoi? C'était tueur à la chaîne et tout. Et le mec, bah le mec, il fait pas plus de 5 victimes à la suite. Mais c'est pas grave, ce mec, il a le droit de jouer et tout, il se fera jamais ban. Il fait des scores à 4 de ratio et tout. Bon, là, on l'a enculé, hein. On lui a montré que c'était une grosse merde, mais c'est pas grave. Le mec, il continuera à jouer et tout. Et les mecs chez Steam, ils feront rien parce qu'ils sont trop cons. Depuis le temps que je te troll à l'obtenir chaque run au niveau 30, faut bien que je pardonne en te le donnant. Bah écoute, c'est vrai que je le teste un jour, en fait, surtout. C'était qui l'autre PD? C'était lui, là. Ça fait des gros scores et tout, hein, mais c'est des gros fils de pute qui savent pas jouer. Faut y aller? C'est vrai. Oui, on peut y aller. Entre une Yashit Engine pour la voir, mais j'aime pas pour une run sérieuse. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu me le give en cheatant, mais c'était pas intéressant. Ce n'était point intéressant de l'avoir en cheatant. Le but, c'était de l'avoir legit. Tiens, c'est marrant ça, j'ai cliqué sur un mec, il s'est déjà pris un ban. Ça c'est marrant ça, franchement. Quelle surprise. T'aurais pas pu le give, mais bon, tu aurais pu faire en sorte que chaque ennemi basique lâche 200 armes légendaires. Quoi? Si, je pense qu'il y a moyen de se le give en spécial, non? What? Attention à The Triskston. Enfin, nos alliés commencent à me gaver à tirer n'importe où et n'importe comment. Là. Ah, d'accord, j'ai tiré en prompt, mais. On va dire que non, hein, mais j'avais tiré en prompt. Mais c'est pas grave. C'est les connexions, je suppose. Ouais, je sais, on l'avait utilisé. Enfin, je l'avais utilisé pour. Pour booster la hauteur des jumps, parce qu'on est en train de jouer avec Saphir et Factice et je crois que c'est le premier Yeti, celui qui arrache l'œil de Claptrap, il avait droppé une légendaire. Sauf que le truc, ça avait bugué, l'arme légendaire était dans les airs et tout, on pouvait pas la récupérer. Du coup, j'étais allé chercher un truc voir pour booster la hauteur des jumps pour pouvoir récupérer la fameuse arme légendaire pour savoir un peu ce que c'était. C'était de la merde, ces 4, hein, je reconnais, c'était de la merde, je sais pas ce qui m'a pris, il était trop bas. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui tirent sans voix. Ah putain, j'ai pas réussi à tourner la souris. Ah bon? Ok, bon. Dis donc mec, je te mets 5 balles limite au corps à corps, faut se calmer quoi à un moment.
ça va quoi, je mets beaucoup de balles je trouve pour tuer au corps à corps quoi. Drone ennemi en arrière. Pourquoi le cheater hein. Eh, ils ont un drone en face ou pas? Ouais, ils viennent de sortir un drone. Merde. Oh non! Oh comment tu trolls! Oh! Oh je... t'aurais pu te le t'as pu te le guider, mais... Fais en sorte que chaque noël. Et oui, j'ai fait ça. Ouais, bah ouais, du coup, on avait dû booster les jumps. Ce qui est fort sympathique d'ailleurs, d'avoir un peu plus de hauteur de jump, en vrai, c'est très rigolo, je trouve. Lui il chie, je suis sûr. Lequel? Le co-pilote, Mickey là. J'ai l'impression qu'il sait beaucoup trop de choses. Ils campent tous, hein. T'es sérieux, je me suis fait lastique par un mec qui campait au top ici là? Il y a un mec qui campe au top chez nous. Donc, du coup, ils vont péter ma tourelle dans pas longtemps, je pense. Ah bon? Putain, mais pourquoi il est Momo? J'ai la cadence de tir d'un dieu et de moment j'ai la cadence de tir de merde. C'est bon, tu peux mettre ta tourelle. Comment il peut... Non, c'est un cheater. Ouzi, report, hop. Et puis ça? Ouzi. Le mec il pouvait tirer sur ma tourelle sans que ma tourelle lui tire dessus en fait. Ça c'est pas du cheat. Non, tu peux pas faire ça, le mec. Elle passe pour pétard, hein. La tourelle. Comment ils savent que j'étais là? Elle était passée pour pétard. Parce qu'il y a tous nos alliés qui passent en par un. Étrange les mecs, hein. Non. Dans le jeu. Le jeu t'encule, il y a une arme ultra connue qui, pour la drop, tu dois tuer un mob qui a 5 chances sur 6 de passer à travers le sol. Les drops. Ah ouais, sympa. Des fois les maps sont quelques trucs chelous. Ouais mais c'est pareil je crois avec The Bunker. Il me semble que des fois il y a des armes qui passent à travers le sol et tout. Alors The Trickston, oh ben il a pas de rapport de combat encore. C'est normal, il vient d'acheter le jeu. Lui il avait l'air de savoir des choses. Bah oui tiens, 2,24 de ratio, bah oui. Bah tiens, on en parle mon pote, on en parle. T'avais l'air de beaucoup savoir des choses toi. Mais on pour une arme qui a littéralement moins 70% de dégâts de base, tu peux t'en passer. Eh bah, un petit peu, je pense. Ah, il y a un cheater là, j'ai pas le temps de le report. Là. Il y a un cheater. Max à mort par équipe. C'est Dane Noma. Dane DMA, j'en sais rien. C'est lui? Non. Si. Vous avez autorisation d'engager. Spawn back. Je viens de locken ce qui était devant moi là. Comment ça que j'étais là lui? Sérieux? Bah, genre, t'as pas fait comme ça, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Il est mort ou pas? Hein? J'ai pas oublié. Le bunker, j'en ai eu un cas ce matin. Le bunker, pour une raison inconnue, sûrement une rayure sur ton disque.
masque de jeu, s'est téléporté à 3 km et tous les drops dans le vide. Et parmi les drops... Oh dommage. Et parmi les drops... Le chêne que je cherchais à drop. Ah ouais, c'est dur. RCXD ennemi dans votre secteur. Ça va arriver, à droite, à droite, à droite, à droite. C'est lui ou pas? Ouais, comment c'est que j'étais là, lui? Bon, Attends, le mec, il est en 2-8, quoi. Il y en a sur le côté, je crois. Oh, sérieux, il y avait 3 mecs? Oh t'es sérieux, ça l'a pas tué? Il y avait 3 mecs quoi. Donc lui il meurt jamais quoi. Putain. Allez debout. Ok. Dino Omai, mais casse-toi. C'est pas étonnant qu'il chie. Ouh, ça me sert à l'intérieur. Putain. Il est pas mort quoi. La pression qu'on leur met quand même. C'est vrai. C'était close. Ça se respawn back. Le mec s'est pris un C4, il a eu aucun dégât quoi. Oh t'es sérieux, je lui tirais dans la tête, what the fuck. D'où ça touche pas. Drone en approche. Il lui met des dégâts. Quoi? Betty, à tes pieds. Mais elle était à la porte la Betty, j'étais beaucoup plus loin. Oh non, tu l'as déclenché mec. Je sais pas où elle était mais je t'ai entendu la déclencher, je t'ai vu la déclencher. Ouh, ce qui s'est pris. Ah bah ça arrache qui t'en passe. Paramètres de l'objectif rempli. Bien joué. Comme quoi. Comme quoi. Fais gaffe à Corticera, lui aussi il avait un petit titre maître tueur. Bien sympathique. Regardez, voilà. Bah oui, tiens, il a 1027 de ratio, le fils de pute. Bah oui, mais c'est normal. C'est normal. Qui? Bah Corticera, mec. Il a 1027 de ratio. Mais c'est pas grave, sur ses armes, il a 0,59, 0,35. Bah oui. Bah oui, mais le mec, il a 1027 de ratio. Bah oui. Bah oui, normal, normal, normal. Bah oui, normal, normal. Normal, 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 dans ce jeu, normal, normal. Alors... Normal, c'est la base, c'est la base, c'est la base, 1027 de ratio. Il était où le cheater? C'était qui? C'était lui. C'était lui, c'était Dainum, Daindema.
Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une game en 75-0. Ouais, bonhomme. Moi aussi, contre les bots, je fais 75-0 quand ils ont difficulté facile. Ah bah tiens, Dane Dommage et Jerry portent ce mec. Bah ouais, mais c'est pas grave, il est encore là en train de jouer. Normal, normal. Normal, 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 normal. Normal. Tout est normal. On a déjà trouvé, tiens. Bah ouais, c'est fou, hein. On va trouver du spammer, surtout. Campeur en haut, il va se prendre un bon petit spawn back. Ça lui ferait pas de mal. Tu savais où j'étais, toi. Toi, tu savais où j'étais, toi. Escanor, il savait où j'étais. C'est marrant parce qu'Escanor, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est dans. Ça va être ici. L'objectif est presque atteint, ne lâchez pas. Je savais bien que j'entendais des pas à côté de moi. Que j'ai fait 76 trickshots en une seule partie. Ah bah au moins, au moins. Surtout sur 75 kills. Attention, deuxième. Oh oui. Troisième. Sale con. Quatrième. Non, j'ai Elken. Nous avons rempli notre grosse game du coup. Ouais, grosse game, pas net surtout. Enfin, lui, il m'a mis une balle au pompe. Waouh! C'est marrant, à l'instant, j'ai presque cru voir la MP7 de MW3, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle était toute en or? Non, je sais pas, dans ma tête, elle ressemblait à celle d'MW3, alors que elles sont pas pareilles, mais. Bien joué à toi pour ton arme. On va jouer à la PDW. On a des laggers dans la team. Putain. Ouais, il y en a trois en face. Allez-y et descendez-les. Ah, ça une arbalète Ricaro. Je suis pas fan du Ricaro. Oh merde, j'ai tiré. Ça peut être rigolo. Ah bah le mec vient de me tirer avec une arbalète Ricaro. Bah s'il touche, il tue. Mais s'il touche pas, c'est du gâchis de carreau, je trouve. Ça. Il sort. Bien joué. T'as un Z4 là si tu veux devant toi. Putain, il a insertion tactique. Ouais, j'ai entendu. J'ai pris une clé mort, enfin, je sais pas comment j'ai fait pour l'esquiver. Comment il arrive là lui? C'est bon, je l'ai ken à l'insertion tactique, j'ai été meilleur. Fais attention au premier en face. Okay. L'ennemi a détruit votre drone de voyage. Non, à part qu'ils détruisent mes drones, on va pas être potes. Y'a un mec qui est passé par en dessous, je crois, mais je suis pas sûr. Peut-être en haut. Il était en haut. J'ai une tourelle, mon phéno. L'ennemi a détruit votre drone. Attends, je me fais tirer dessus quand même. Quoi? Je suis mort par ma propre IEM alors que j'étais pas à côté. D'accord. Lui il a un shit. Ça arrive ici, mec. Obligé. Je sais plus si c'est qui, mais c'est pas net. NON! NON! J'étais en train de jouer ma life! Oh sur la dernière balle. Oh sur la dernière balle. Oh sur la dernière balle.
sur la dernière balle de sa mère. Et what? Mais le mec, il était déjà super rouge rec, j'ai remis une balle, il est pas mort, je comprends pas. Bien sûr, le mec est déjà rouge et... Insertion tactique détruite. Non, 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 je vais mourir. Non, la clé mort de merde. J'y ai pensé trop tard. Quel fils de pute. Ah, il y a la batteuse au top. Oh, c'est bon, il vient de se faire défoncer par Batroy. Mais il va respawn au top. Il a mis son insertion, il s'est obligé. Allez hop, ça dégage. Wow 28-2. Ah oui, tu rigoles pas. Tu rigoles pas. Hey, papa. Papa. Bah disons que le mec à l'insertion tactique m'a pas mal aidé quand même. Ah. Par contre après mon truc il me dit que j'ai un seul spectateur alors que c'est un peu faux. Ça devrait marquer au moins 2. Du coup il me nique mes stats, peut-être même 3 en fait. On est 3 spectateurs mais ça me dit que je suis 1. Du coup ça me nique mes stats en fait. Bien joué les gars, bien joué. Incroyable ça. Oh, on a pas le spawn, c'est sérieux. Et la base, on aura dû changer de lobby, putain. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Tiens, t'es Dildo Yoyo 10 aujourd'hui. C'est vrai. Ça, c'est pour la petite taille. Pourquoi que je t'ai suivi, moi. Bon, oui, bon, bah, bon, je sais pas. Je t'ai suivi comme un gros sac à merde. Ah bon? J'ai besoin de prendre une balle pour mourir, lui. Oh non, c'est vrai, c'est des lagueurs. Oh t'es sérieux? Avec tout ce que t'as pris t'es pas mort? Oh, t'as une meilleure IM, t'as dû mettre la balle que j'ai pas mis. Yo Griffon, dis-moi ouais, espèce de PD consanguin, tu peux aller utiliser un pseudo dans tous tes lives ou post Discord pour faire des vues. Donc je sais bien que tu célèbres mais quand même. Mais quand même tu m'as mis. Alors là mec, insultez-le. Le mec a mis mais quand même. Au lieu de mettre quand même, le mec a mis comme même. Alors là, Griffon, tu me déçois. Mais genre, tu baisses dans mon estime, mais du coup. Aïe 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 aïe, mec. Et insultez-le, hein. Sinon, je porte plainte pour utilisation de personnalité publique. Bah là, là, j'ai même plus envie de prendre ton pseudo. Je te respectais, mais écrire comme même, là, j'ai même plus envie. Ah j'ai même plus envie là. Ah là tu viens de réduire à néant tous les espoirs que... Tout l'amour que j'avais pour toi quoi. Ok
Claymore détruite. Mais oui. Derrière toi, il y a eu une qui arrive au basket. Ah, il y en avait un au top aussi, fais gaffe. Il va mourir, je pense, ouais, il doit être mort. C'est bien. Oh, tu l'as eu ? Contre basket, non, j'ai eu personne, moi. Bah, il est bien pourtant. Ah, ça tire avec piscine, fais gaffe. Ça va camper au top. Il doit arriver, mais. Il arrive pas à se payer. Ça campe au top en face. Je sais pas où il est passé celui-là, il a dû descendre. Oh, il sort de où lui ? Oh bah. Ah, d'accord. What, je suis mort en une balle. Enfin, le mec était pas grave, il a quand même fait ça. Non mais les lagueurs, ça va. J'ai mis une clé mort. Attends, je peux pas me dire tous les messages là. On essaie de casser un petit peu de PD. Je sais pas où il est passé celui-là. Il est au top, sérieux ? Tourelle auto prête au départ. Quel PD, il était au top. Tais-toi, c'est fait exprès pour voir si tu utilisais. Ouais, mon cul, ouais. Yo-yo, on est d'accord que même pour une blague, quand même, c'est illégal. Ah ouais, non, c'est pas permis en vrai. Merde. C'est clairement pas permis de mettre quand même, quoi. Quand même, quoi. Quand même quoi. Oh là là, c'est tellement pas français quoi. J'hésite, j'ai pas trop envie de les mettre de ce côté là pourtant. Mais bon. Ouais. Ah, j'ai plus de balles. Ah, je suis mort dans le dos. J'ai sauvé le cul. Mais sinon, salut à vous. J'ai une tourelle à mettre aussi. Non, mais là, c'est plus cover ma tourelle en un minimum. Non, il y en a un troisième. Oh, il y a un mec qui campe sur la statue là. Attends, oh, putain, mais il y a tous les côtés qui arrivent, ça va. C'est des laggers, c'est des laggers, c'est normal qu'ils m'aient tué. Prendre cher par contre. Ok. Putain, j'avais plus de balles, j'ai pas réussi à tuer l'autre. Ouais. Sûrement qu'il avait déjà écrit auparavant. Putain, la loose quoi, quand même. Quand même quoi. Oh, c'est la loose. Ah, c'est la loose, Guy, tu me déçois tellement. Y'a un mec derrière le jacuzzi, mais oh bah. Bon boulot, les gars. Le mec qui ouvre sa gueule, il est level 18, il a 0,44 de KDA, il ouvre sa gueule. Ah, le mec qui fait une game de merde, il ouvre sa gueule, quoi. C'est vrai. Des mots que je... On a déjà joué une partie. Je sais pas d'où il est. On est retombé dans la même game. Enfin, dans la même map. Sur la même map. Oh, j'ai 5 disques durs sur mon PC, mais what the fuck. Depuis quand ? Pourquoi ça me paraît être de la merde, le spawn où je suis, là ? Pourquoi ça me paraît être un endroit bien merdique et bien dangereux? Voilà, genre comme ça. Pourquoi ça me paraissait être aussi merdique? Oh, il est marqué ma UM. Hormis le fait que le jeu des graphismes 2005 et une approche de celle d'Ubisoft, les games multi sont fluides. Ça va. Oh, c'est juste que là je fais des belles games. 20 minutes, je fais de la merde. Putain, je suis coincé, nique pas merde. J'en ai bêté un, il en reste un.
Ah oui. Sérieux, t'aurais dû mourir. Oh t'es sérieux? C'est incroyable ça, pourquoi ça tue pas? Chacun ses goûts en soi, le zombie je trouve ça pas ouf. Pas un oh. Chacun ses préférences, et y'a des gens ils achètent Call of pour jouer à la campagne. Mais eux sont trop locales. Et ben voilà, ils achètent Call of juste pour la campagne. En même temps, comment c'est toxique à mort et que c'est pédé le jeu, c'est étonnant. Il te nique deux fois de suite. Normal, je joue presque pas au Call of. De toute façon, c'est tellement toxique comme jeu que ça sert à rien d'y jouer. Lance-grenade multi-mort. D'accord, on m'a encore volé un kill parce que l'IM était parfaite. Et merci à toi pour le follow, Mathéo des CK. Si vous avez jamais commencé Call of, commencez pas. Hein. C'est comme League of Legends, hein. Si vous avez jamais commencé, commencez pas. Hein. Vous allez vous faire du mal pour pas grand chose. Drone allié en approche. Vache! Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Faut rejoindre la LED. Ok, alors j'ai pas de problème de gauche. Non, casse-toi, tu me bloques! Casse-toi! Un peu n'importe quoi là. Casse-toi, lien de merde. Ah, mais ta mère. C'est toi ou pas? Moi non, mais vas-y, mais la tienne. Putain, mais ils arrivent de partout. En plus, je tue pas et les mecs ils arrivent de partout quoi. On est encore dans des connexions de PD. C'est incroyable ce jeu de merde. Fais gaffe, je peux. Un sur la droite. Un mid mort. Un deuxième mid, sur la droite il est mort. Hey, fucking nigger. Vous faites 2v158 ou quoi? Bah écoute, là je fais même pas une belle game, je me fais juste enculer sur enculé. C'est un petit peu compliqué là. Attends, y'a des explosions d'arbalètes qui... NON ouais, ta mère, j'allais le ken en vrai. J'aurais pas dû recourir, je le baisais le mec. Tu vois pas en quoi? Bah parce que les jeux sont pourris par la communauté. C'est pas amusant de jouer à un jeu pourri par la communauté. Tu vois Overwatch, ça pourrait être sympa. Mais quand tu te retrouves en ranked et que t'as un mec qui fait ouais toi tu pues la merde, tu fais pas de dégâts et tout machin, même si c'est vrai, tu vois. Et du coup, tes mates, du coup, t'as deux de tes mates sur 6, ils sont en train de s'embrouiller. Du coup, les mecs, ils sont là. Ah ouais, tu veux jouer au PD? Bah, ok, on va jouer au PD. Tu veux gagner la game? Bah, moi, je vais faire en sorte que tu perdes. Et du coup, tu te retrouves dans ta game avec, avec un mec qui veut te faire perdre et les 5 autres. Et du coup, enfin, avec les 4 autres, pardon. Du coup, vous retrouvez à 5 qui jouent contre 6 mecs plus un mec dans ta team. Qui veut te faire perdre, c'est pas amusant, tu vois, c'est pas plaisant de jouer comme ça. League of Legends, c'est pareil, il y a des histoires de niveau et tout, mais quand t'as un mec qui fait n'importe quoi et tout, qui donne son cul, qui continue de donner son cul, et l'autre qui est là, ouais, viens ganker top, mais le mec, il est déjà en 0-3 au top, il fait, ouais, le jungler vient jamais au top, il gank pas et tout, mais oui, mais le jungler, il va pas go in au top alors que t'es en 0-3 et que le mec il a 3-0. La plupart du temps c'est avec un Darius au top. Le Darius ennemi il est en 3-0. Ton top laner il est en 0-3. Et là le jungler il va être sympa, il va ganker au top. Et bim, Darius il fait double kill et fin de la game. Et du coup c'est pas plaisant de jouer à des jeux comme ça et tout.
C'est vrai. Tout ça parce que les mecs, ils veulent montrer leur gros zizi, mais sauf que, bah, sauf que non, ça marche pas en fait. Oh, la map de merde. Comme on sait, WoW, c'est pas un problème ça en 2018. Le problème, c'est que. Gros, t'as aussi des enfants qui jouent. Le problème, c'est que. Moi, je me rappelle, hein, j'ai joué à Légion et tout. Et le boss, il s'appelait Kill Jaden. Y a un moment, moi, j'ai littéralement rage-quitté le jeu. Parce que on était mort genre 5 fois de suite dessus. Genre, les mecs, ils écoutent pas la strat. Les mecs, ils veulent en faire qu'à leur tête. T'as une strat, les mecs. Alors, déjà. Premier truc, généralement, moi quand je rentre dans le donjon et tout, quand je connais pas, je dis que je connais pas. Y'a pas de honte à pas connaître, hein, et quand t'as jamais fait le donjon de ta vie, tu peux pas le connaître. Bon, après, sauf si t'as lu les strats sur internet et tout. Bon, et ban griffon là. Ban des griffons, il raconte de la merde. Et le pire, c'est que sur le boss Kill Jaden, c'est que quand tu meurs contre lui. C'était qu'un seul boss, hein. C'était qu'un seul boss à faire dans le raid. Mais quand tu meurs contre lui, tu retournes l'affronter avec un bonus genre de 10% de stats et tout pour t'aider à le battre. C'est assez humiliant quand même de se dire que t'arrives pas à baiser un mec et qu'en plus de ça, tu te fais booster par le boss parce que justement t'es trop mauvais pour le faire. Je sais pas ce qu'il donne multi Assassin's Creed. Je sais pas si ça a été ouf ou pas. Les mecs qui suivent pas les strats. Les mecs qui disent pas qu'ils connaissent pas la strat. Par contre, à mon avis, y a du cheater là en face, non? Ouais, j'ai l'impression un peu. What? Mais attends, mais mes balles elles partent où là? Je pense que cette game elle va pas m'intéresser, je vais la quitter. Ouais, moi aussi je vais me barrer, j'en ai ras le cul là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Il est où le mec? Mais. Lui il a un truc lui. Acta Gonzo il a un truc. Ah bah oui, bah tiens, il a le titre nucléaire, enfin il a le titre maître tueur, mais il est level 20, c'est normal. Encore un mec qui doit avoir 20 000 de ratio là, celui que t'as tué là. Attention, ça va péter à côté de nous. J'arrive pas à tourner ma souris assez vite. Les premiers multi étaient sympas, après il est parti humiliation de kill. 3 jeux que je sais plus, et après la coop, map avec Unity campagne. Ah bon? Je vais me prendre une balle de pompe, mais super loin, alors que c'est le vieux. Y a 3 mecs sur la. Sur la passerelle au top. Genre, il est couillu le mec. Y'a un mec sur la. Connerie là, d'où ça touche pas? C'est incroyable ça, putain, d'où ça touche pas? Putain, mais je comprends pas, c'est quoi cette game où y'a rien qui passe et tout? Tu tues sur mes. Overmatch, c'est du vieux copier-coller sur tout ce qui existe déjà. Les défenses de quoi? C'était sur AC Brother Wu. C'était sur TF2 surtout. Overwatch, c'est un comment TF2, il sait que je suis là, lui un peu différent, mais en. Il y a des mecs qui chutent. Mais c'est oui, pas possible, mais c'est clairement, possible, mais. C'est pas possible. Il y a des mecs qui savent des trucs, c'est pas possible. La défaite n'est pas une option. On s'occupera de vous.
j'ai fait 5-14 quand même. C'est pas ce qui fait Overwatch, mais les personnages et leurs capacités. Ah, disons qu'Overwatch, ça fait du... du League of Legends de façon FPS, quoi. ...2,36 de ratio ce mec il a, bah oui. Putain, faut... peut-être que je vais mettre mon ventilo quand même, je l'aimais plus. Hein. Bah tiens. C'est la communauté qui fait le jeu, en partie. Yo et Jou BR6, bienvenue à toi. T'es sérieux, il meurt pas avec ce que je viens de lui mettre dans le cul. Voilà, bonne vie. Je lui mets un putain de turn au mec, il meurt pas. Et en plus, il y a un mec qui le baise. Non, je l'ai raté, putain. Et donc, le swap de l'arme qui est pas passé aussi. Et le pire dans les jeux, c'est qu'il y en a certains qui jouent juste au jeu pour baiser la communauté. Personne en face ou quoi? Ils sont là. Mais mec, décède! Merci JouBR6 pour ton follow, bienvenue. Mais c'est incroyable, me dis pas que c'est encore des putains de lagueurs, y'a pas moyen de tuer les gens. Et merci Lenny, pardon, qui est passé avant en fait, Lenny25650. Bienvenue à vous. Merci pour le follow. Pardon? Il est où? Comment est-ce que j'étais là, lui? Putain, j'ai plus de trucs. Mm-hmm. Salut à toi, Xenos. Pardon, je connais qui se bouche. Tu joues aussi à VO2 PC, ouais. Ce que tu disais, Dildo, à propos de ma console à reboot, t'as pas de rapport? C'est mon PlayStation Network qui veut pas de moi. De quoi tu disais? À propos de ta console à reboot? De quoi? J'ai dit quoi pour ta console? X-Nose, ah, autant pour moi, X-Nose. Sérieux? Y'a pas de E. Tu connais le jeu Rainbow Six Siege? Oui, je connais le jeu de nom. Il m'intéresse pas vraiment. Trop stratégie, je pense. Enfin, non, pas vraiment trop stratégie, mais trop. Trop en mode, faut faire gaffe à ce que tu fais. Et là, je m'en bats les couilles, tu vois. Et merci à toi, X-Nose, pour le bienvenue. Merci. Là, tu vois, je m'en bats les couilles, tu vois, je fais un 3-6, je m'en fous. Ça a pas d'importance. Alors que sur Rainbow, voilà, tu meurs. Et je vois une mourir. Et merci pour le follow. Nathan, 4743, bienvenue à toi. Tiens, mec, je suis sur ta tête. Du coup, voilà, donc je finis sur l'explication. Voilà, Rainbow 6, je suis obligé de faire gaffe à ce que je fais. Là, je meurs, je m'en bats les couilles, je reviens. Je vais mourir dans C4. C'est pas grave. Mais vous deux, j'aime bien aussi. C'est un joueur Rainbow 6 sur PC. Quand j'ai dit que ton multi fonctionnait pas. Ah ouais, je me rappelle pas. Putain, heureusement que j'ai arrêté de. Bah, je pourrais avoir un team s'il vous plaît là. Putain. La speedrun, je suis pas d'accord. Je connais pas la communauté speedrun de Dark Souls, mais bon, c'est pas une mauvaise chose. Moi, je pense que toutes les communautés speedrun sont pas dégueulasses. Alors, du moins, j'ai entendu dire que les speedrunners, c'était jamais des gens. Des gros enculés ou quoi que ce soit. T'es sérieux, il me la met?
pas ma place. Ouais, c'est juste une... What the fuck. Oh là, et fais gaffe à Hazard, que j'ai l'impression qu'il est un petit peu précis. Mais genre un petit peu trop précis. Ma classe c'est juste une MSMC canon long chargeur rapide. Mec, il savent des il lag en plus hein. Moi je crois qu'il a un... IMBot Zark mais Dildo, il lui faut un jeu où il faut pas trop réfléchir, tu sais, c'est une bite le dildo. Il peut pas faire deux choses à la fois, jouer et réfléchir sur les deux. Ah non, je peux pas. Je veux pas lire et jouer en même temps, sinon je passe encore un premier. Et dans un deuxième. Il peut aller jouer en même temps, donc s'il fait deux choses à la fois. Mais si, je peux manger et pisser en même temps. Moi. Ok, dildo. Qu'est-ce qu'il veut le mec? C'est un lagueur et. Ah, c'est pas à moi qui parlait, c'était à toi. Putain, elle était belle celle-là. On est à quoi? Ok, on est en 9-11, il y a moyen. Alors, Yout, on s'éclate, mon pote? Oh, il a failli se prendre le turn. Là, si j'achète un DLC sur BO2, je pourrais trouver des parties. Parce que sur BO2, il n'y a pas beaucoup de monde. Bah écoute, moi j'ai qu'un seul DLC, je joue jamais sur les maps. Donc bon, tu vois qu'il y a moyen de trouver des games sans forcément avoir avoir de DLC ou autre. En tout cas, j'aurais bien fait n'importe quoi dans cette game. Il y a deux mecs qui vont arriver à droite, un seul qui arrive à gauche. Où es-tu passé, sac à merde? Je suis AFK. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez. Maintenant, regarde, soit il joue un peu, à peu près bien, mais il parle pas. Soit il regarde le chat, il se fait enculer. Donc il ne fait pas les deux à la fois. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai réussi à pas tomber en lisant le chat et en avançant maintenant. Y'a plus d'ennemis ou quoi? Oh, ils doivent être vers moi. J'ai de plus en plus de vie jouer à For Honor, c'est dingue. Ah bah For Honor c'est sympa hein. Mais c'est pas en 4 heures de jeu que t'apprends à jouer quoi. Merde, je vais mourir. Y'en a un qui arrive. Je sais, je suis un peu rouge. Un deuxième, il y en a un deuxième. Un à droite, un à gauche. Par contre j'ai un problème sur BE2, c'est que je vois plus les gens qui parlent dans le chat. Ah ouais. Bonne question. Avec les musiques que j'ai publiées sur Discord, c'est encore mieux. Ah ouais, je suis un dieu, bah écoute, merci, ça me fait plaisir. Hop, on lui met le petit EZ. On s'est un petit peu masturbé. En plus, c'est un français, mais c'est un petit PD. 1,52 de ratio avec 20% de précision à la MP7, à la N, je sais pas. Et à la. Il ah bah quand tiens, même plusieurs bannes enregistrées, le mec. Ah bah ça alors, ah bah ça alors, c'est presque étonnant. Mon idée du voilà qui était pas dégueu, de la IMBot. Comme quoi. Comme quoi, un petit IMBot, hein. Ah, les trolls et les cheaters, il y en a dans tous les jeux quasiment, malheureusement oui, mais je vais y arriver. Non, je m'en doute bien, vu les combos qu'il y a de dispo, je vais forcément m'y perdre. Mais il suffit juste d'apprendre, après tu trouves ton perso, tu joues avec, et voilà. Après tu fais comme Griffon, tu joues Sentinel PD, et tu gagnes. Ou alors tu joues Orochi PD, tu gagnes aussi, tu spam light, ça marche très bien. Un dieu que j'ai déjà enculé, j'appelle pas ça un dieu. Oui, mais ça c'est parce que mes voix sont un peu pénétrables en ce moment. D'ici quelques temps, j'aurai les voix impénétrables, t'inquiète. Mais sur Dark Souls, c'est surprenant. Ah. Non, c'est pas surprenant en fait. À partir du moment où t'as un truc ou deux qui fait que c'est un petit peu abusé et tout,
bah la plupart des gens vont profiter. Si le mec il peut te pousser dans le vide, le mec va te pousser dans le vide, hein. Peu importe son niveau, hein. Si le mec il débute et que tu veux t'entraîner contre lui, mais que lui, bah il connaît le jeu, mec, du coup, bah c'est un piège à noob, il va l'utiliser contre toi, tu vois. Au lieu d'essayer de te défier en 1v1, le mec il va pas le tenter, il va préférer. Il a préféré fuir. Par contre, j'aurais bien aimé le tuer, je comprends pas trop pourquoi il est pas mort. Il est mort, merci. Putain, ça tue pas en ce moment, c'est incroyable. What? What? J'ai eu des freezes. J'ai eu deux micro-freezes. Bon, vas-y, ça me casse les couilles, ça tue pas. Ça tue pas en ce moment, j'ai l'impression, c'est un truc de fou ça. Tu as eu? Ouais, un autre. Bon, il est mort. Par contre, j'ai pris des balles, fais gaffe, je sais pas qui c'était. On se retrouve avec des pics qui sortent du sol de partout sur la map. Ton perso meurt soudainement. J'aurais dû prendre son phallus. Oh, détecteur de cible. Oh. Un mec au-dessus. Le drone, il n'y en a plus. J'aurais pas du switch. Mais comment ça qui meurt soudainement, ou encore des mecs qui se TP comme ça, c'est sympa. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Mais j'écris pas un papier officiel, j'écris comme je veux, je suis fatigué, j'ai la flemme, langage SMS. Ce sont des magiciens sur Dark Souls. Ils disent tout ça. Oh putain! Dis donc, j'arrive plus à jouer là, ça y est. Ça fait une heure, j'en ai ras le cul. Ça fait une heure, j'ai tout donné déjà. Quoi? T'es où? Tu vas pas me dire que t'attendais ici, quoi. Oh putain, c'est incroyable ce qui se passe dans ce jeu. T'as pas été sur ma toile encore? Étonnant. Bien fort remords, ouais, je pense que c'est bien fort remords. Comment elle savait que j'étais là? Non, on m'a volé encore. Tu mériterais un quoi? Un loup? Attends, il y avait deux mecs. Bon, ouais, sérieux, là, c'est plus possible. Je dure qu'une demi-heure, qu'une heure. Ouais, je m'attendais à mieux. Ah non, là, je suis épuisé, là. Là, j'ai fait une heure de call-off, ça y est, c'est mort, j'ai fini. Ah, t'es sérieux, je vois plus rien, je suis même plus attentif et tout. En plus, le mec, il joue à la Evo, c'est pédé. Ah, c'est dur, tout d'un coup. On a fait des belles games, et là... Et là, je sais pas, j'en ai... Et là j'en ai plein le cul. Ils ont un drone. Fantôme, hein. Putain, je tire à côté et tout, quoi. Je trouve les multis de Crysis plus sympa que le... D'ailleurs j'ai Crysis 3. J'avoue que j'avais bien aimé le jeu, mais je l'ai jamais fini, je crois. Et j'avoue que le multi, il avait l'air d'être tellement énorme. Chasser à l'arbalète et tout, ça avait l'air d'être tellement sympa. Je mets beaucoup de balles et je tue pas, quoi. Je suis en beaucoup trop de balles. Tu trouves beaucoup oh là de là choses là plus là sympa que Call of. Ouais. Après, tu peux pas aimer tous les jeux, hein. C'est bizarre.
c'est évident. Maintenez la pression, on est en tête. Ah, c'est PD qui joue à la Evo. Une haine des Call of peut-être. Non, mais tu peux pas forcément aimer Call of comme. Comme tout le monde, hein. Ah, je l'ai pas eu. Oh, t'es sérieux? Je peux pas mourir comme ça. Je suis parti entre temps. J'avais 5 balles et je l'ai tenté comme un con. J'aurais dû reload, me barrer, reload, revenir, je l'aurais enculé comme jamais. Derrière toi. T'as eu? Ouais, il est mort. Hop, voilà, on leur laisse le petit EZ. Il a rage-kit le cheater. Bah ouais. Waouh. Ah. C'est du bug en barre, du multi pas ouf, des graphismes datés. Et non, j'ai pas la haine, j'ai quasiment jamais joué. Bah, tout le monde peut pas aimer. Tout le monde peut pas aimer. C'est pour ça que je fais d'autres jeux. Que je fais pas que du Call of. Call of, j'aime bien, mais à petite dose. Là, tu vois, j'en ai déjà marre, je fais plus rien. Regarde les games que je faisais tout à l'heure, les games que je fais maintenant. On n'est même pas tombé sur il est parti notre PD de rageur de SKRR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 
Je sens que là c'est la dernière. Ah, je vais mourir, il y en avait encore un. Ils vont partir sur Fortnite Switch aussi. Ah bah écoute. Là dans pas longtemps là, à Noël, il y aura encore moins de joueurs. Hein. Ils sont partis sur le Fortnite de BO4. Ça c'était leur seul moyen de relancer le Call of. Chaque année ils font de la merde. Ah, peut-être que je l'aurai pas au KSG. J'ai ramassé ton KFG, je vais essayer. Hein. Non, c'est pas mon KFG que t'as ramassé. Ah si, c'est possible. J'ai ramassé un snipe, mais vraiment dégueulasse. J'aurais bien aimé en avoir un autre. Oh non, 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 là faut quitter, j'en peux plus. Hein. Quoi, qu'est-ce que... Les mecs sont tous à jouer leur vie derrière un... Derrière un... Attends, c'est con, je fais du 9-4. Infinite Warfare. En plus, on l'a comme des porcs, là. Non, genre, sérieux. Mais mec, il y a des trucs bizarres dans ce jeu là. Bon, cette game elle a aucun intérêt, tu tires sur le mec, il prend des balles 15 jours après. Au final t'as jamais le timing quoi. J'ai quitté la partie. Ouais j'ai vu. J'ai vu. C'est pas ce que j'appelle relancer code, j'appelle ça profiter de l'en. Bah oui justement. C'est qu'à force de faire des codes de merde. Et bah, les gens ils se méfient du jeu. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le jeu? Bah, faut sortir un truc cool. Et du coup, qu'est-ce qui est cool en ce moment? Et bah, c'est les Hunger Games. Donc, du coup, et bah, on sort en Hunger Games. Et du coup, ils le sortent sur Call of. Du coup, ils disent oh, c'est des gens qui jouent à Call of. Il y a surtout des gamins. Ils l'ont à Noël. On le sort un peu avant. Comme ça, les gens ils vont l'acheter. En fait, ils vont jouer un mois et demi au jeu. Une fois que Noël sera passé, le jeu il sera pourri par les gamins, les mecs qui jouent dégueulasse et tout et tout. Et du coup ils se font bastune. Et les gens comme ils sont un peu cons, chaque année ils achètent Call of alors que le jeu c'est de la merde de plus en plus, que les trucs ça va pas et tout. Mais du coup eux ils sont contents, ils s'en battent les couilles. Pourquoi sortir un bon jeu quand les gens ils achètent des jeux de merde? Chaque année dans Call of on retrouve la clé mort, la bêtise. Tiens, même dans BO3 on a trouvé la bêtise que tu peux coller au plafond. Mais c'est pas ça, grave, c'est pas grave, ils s'en battent les couilles. Pourquoi ils auraient pas supprimé la bêtise tout simplement? Bah non, c'était plus marrant de pouvoir la coller au plafond. Ça casse bien les pieds des joueurs, ça. On ne doit pas savoir qu'on est là. Voilà, ils s'en battent les couilles. Tant qu'ils font leur pognon, ils s'en battent les couilles. On va gagner ce combat. Si c'était un petit peu moins des enculés, bah de temps en temps, ils pourraient offrir une map, genre à Noël, machin, au bout d'un an, le jeu et tout. Au bout d'un an, ils pourraient, je sais pas, faire des petits événements, comme il y a quelques trucs sur BO3. Pareil, ce marché noir de BO3, mais c'est la pire des fuses de puterie du monde, ça. Et merci à toi, petit Kiwi PS3, pour le follow, bienvenue à toi. Il y a pas mal de façons de faire plaisir aux gens, hein. Même, je sais pas, tu leur mets par exemple un map de Terminal d'MW2, là, sur BO2, mais il y a plein de gens, ils seraient contents. Et ils demandent pas d'avoir j'en sais pas quoi, moi. C'est pas compliqué, y'a pas besoin de refaire un Call of et tout. Même, y'a même pas forcément besoin de modifier graphiquement la map. C'est pas compliqué. Je sais pas, ils pourraient rajouter une arme de temps en temps. Pas besoin de la mettre dans un marché noir où il faut payer 20 000 balles pour avoir les armes du jeu. C'est pas compliqué. Mais a priori, ça leur demande trop de travail. Et du coup, travail dit pognon. Pourquoi ça touche pas, j'en sais rien. Pourquoi je suis mort, je ne sais pas non plus, c'est pas grave. Et pas mettre les DLC à 16€, bah non, c'est bien sûr. Tu payes le jeu déjà 50 balles. Tu dois te taper des DLC en plus. Sachant que la plupart des fois, les DLC ils te rajoutent des trucs plutôt intéressants. Pour forcer le mec à acheter. T'es sérieux, il s'est barré? Oh mec, je suis sur ta tête un petit peu là, il y a un moment, faut mourir quoi. Et... Je te tire et en pleine guerre, tu meurs là, pas Oh putain, j'arrive à rien. Il y a un mec là-bas. D'accord, j'ai pas eu le temps de tirer, c'est pas grave. Et voilà, Sonic Mania, je disais ça. Le Saint Graal est arrivé et me donne des fois. Il me donne fou en chaque licence. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Là du coup les gens ils vont se dire oh là là,
Battle Royale sur Call of, c'est génial. Du coup, go acheter Call of. Et du coup, tu... Ton... Tout le monde a déjà comment dire, ton... ton jugement... Ouh, petite collate au calme. Ton jugement sur, sur Call of, du coup, sur le prochain... il va changer, d'accord. Bon, lui, il lag comme un porc. Au final, il se dépend. Lui, il tire à côté, il tue. Ouais, voilà, bien sûr. Go assez, j'ai envie de jouer à Dark Souls 3, bordel. Bah, go jouer à Dark Souls 3. D'accord, je prends une tête, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, là, les gens, ils vont se dire, oh là là, ils ont sorti un truc cool. Super, de la nouveauté sur Call of, ça veut dire que le prochain, eh bah, il va peut-être être cool. Mais du coup, là, ce qu'il peut faire, c'est sortir un prochain qui sera complètement à chier. Non, mais lui, je peux pas le tuer, il lag, lui. Il lag, ce mec, il lag. Il fait n'importe quoi, il lag. Il lag ce mec, je suis désolé, il a pas 42 ping, tu tires un endroit et il se décale légèrement. Tu l'as pas? Ah ouais? Ressortir des vieilles maps. Moi ce que j'attends, c'est Call of Duty Zombie Edition et toutes les maps zombies et de nouvelles régulièrement et pas un DLC, mais une mise à jour gratuite. Bah évidemment, mais pourquoi il le ferait? Sachant que les gens ils payent déjà pour avoir justement des maps en plus et tout. Pourquoi est-ce qu'ils feraient tout gratos quand maintenant ils savent que les gens. Putain! Pourquoi ils feraient une mise à jour gratos sachant que ça fait des années que les gens ils payent 15€ pour avoir leur map supplémentaire? C'est mort, ils le feront pas! Ils perdraient trop d'argent! Et merci à toi, CokiQ54789. Merci à toi pour ton follow. Vraiment sympa les musiques pour For Honor. Ouais, c'est du Sabaton, c'est toujours sympa le Sabaton. Je sais plus laquelle c'est ma préférée de Sabaton. Salut à toi! J'ai les autres mais j'ai pas le 3. Bah écoute, moi j'ai le 3 et je l'aime pas. Putain! Je sors au mauvais moment. Oh, t'es sérieux? Il t'a vu rentrer dans le bâtiment, du coup il a scope et moi qui sortais, c'est moi qui me fais baiser quoi. Ah, c'est vraiment une lucky ça. C'est le karma ça. Bah ils le feront pas, mais c'est ce que j'aimerais. Bah oui, bien sûr. Bien sûr qu'on aimerait avoir les DLC au bout de, je sais pas, d'un an ou deux de jeux, pouvoir les télécharger gratuitement et tout. Bah non, bien sûr, je joue sur quoi? Je joue sur PC. Et une chaise aussi, donc. Putain, j'ai raté la collate. Donc j'ai pété un plomb sur la pêcheresse hier soir. Sur le 2 mec, j'ai cru que je suis quelqu'un. La pêcheresse elle est un peu chiante quand tu sais pas trop la gérer. Mais en fait elle est pas si compliquée que ça. Je sais que je meurs pas mal de fois dessus quand je fais des runs, voilà. S'il avait pas eu un cap 40 à Kimbo, j'avais moyen de le baiser. Si j'avais été meilleur. Regarde, il se téléporte ce mec, il se téléporte. Quel fils de pute, il se téléporte. Les doigts, mec, elle a des trous, ouais, bah ouais. Ah, oh, il l'a ken, il était là. Truc de fou. Ton mec qui lag en face de. En face, c'est rien. Oh putain, j'ai eu du cul. Oh, j'ai eu du cul, je regardais le chat et tout en plus. Tu as For Honor, tu me borderais sur une chaise et vraiment non, mais je vais prendre la PS4, Xbox One avec For Honor, Dark Souls et Ascendity. J'ai littéralement tiré à côté quoi, je l'ai tué. J'ai tiré à côté, j'étais même pas sur le mec, il est mort quoi. Oui, c'est quand que tu migres sur une console là? Jamais. Parce que j'ai le PC, pourquoi je me ferais chier d'aller sur console? Parce que, Alors que j'ai le PC qui est fait pour. Et qu'en plus les consoles maintenant faut payer 50€ pour pouvoir jouer pendant un an online. Ce qui est encore plus du vol. Non. Pendant un an, tu dois payer 48. 60. 60 non, non, non. Allez, vas-y, va te faire enculer. Ça doit être plus hein. Et moi j'ai eu 50 pour 15 mois. C'est n'importe quoi. Là je galère, mais t'as pas un instant pour t'en aider à tes émotions. Tu te soignes, je dis tiens, tu te heal, je vais en profiter pour te démonter.
Bah en fait ce qu'il faut faire, même c'est les strats dans les Dark Souls en fait, il faut que t'attendes que le mec il tape console, mais pourquoi à part la Switch? Non, je sais pas, j'ai pas besoin de console. Mais la Switch, non. La Switch, non, y a même aucun jeu qui m'intéresse sur Switch. De toute façon, y a tellement peu de jeux qui m'intéressent. En ce moment, je rejoue même un jeu de PSP pour dire à quel point je m'en bats les couilles, quoi. En fait, ce qu'il faut attendre avec la pêcheresse, faut faire gaffe à plusieurs choses. Elle tape assez lentement. Putain, elle est trop loin, elle est plus loin que ce que je pensais. Ah oui, d'accord, il a bourré, je suis bourré, my bad. Je joue avec la hallebarde par contre, et je t'avoue que je suis pas loin de me marier avec. 71 au niveau 0. Tu joues avec la hallebarde? Quelle hallebarde? Tiens, dans ta gueule, tiens. Tiens, dans ma gueule, tiens. J'ai pas allumé les lumières déjà, donc j'ai pas une auto-visée de ouf. Ouais, moi je le fais sans lumière aussi. Allumer la lumière, c'est bien quand tu joues un lanceur de sorts, parce que ça te permet justement de pouvoir lock plus loin et de balancer les sorts plus loin. Mais en gros, ce qu'il faut faire gaffe, c'est quand elle saute, tu peux rouler sous ses pieds en fait. Putain, mais il lag. Putain, je prends un turn, je touche pas le mec, quoi. Je le touche pas, c'est incroyable. J'ai le viseur laser dessus, mais je le touche pas, quoi. La hallebarde, je sais pas où je l'ai eu. T'as peut-être eu la hallebarde du chevalier noir, c'est fort possible. Il est mort. Les niveaux changent rapide, on va prendre ça tout de suite. Et en gros, le truc, c'est pour te heal en fait, comme sur tous les boss, faut attendre que le mob il ait fait son combo le plus long. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, c'est le moment où tu te heal en fait. Faut vraiment attendre qu'il ait fait tous ses coups. Et ensuite, tu te heal. Sinon, il va te remettre un coup. Ah, d'accord, t'aurais pu mourir, mais c'est pas grave. Non, mais ça, il a tiré à côté. Lui, il a un wallack, lui par contre. Si Merwood, il a un wallack. Pas. Là, pour moi, la seule console valide en ce moment, c'est la Switch, car elle possède des exclus, beaucoup d'exclus, mais pourquoi prendre une console quand t'as quasiment les mêmes jeux que PC? Voilà, vu le PC que j'ai et que j'ai mis le prix dedans et tout, je vais difficilement acheter une console alors que... Mais la alors Switch, que je peux c'est faire tourner un peu tout ce que je veux sur mon PC. Putain, t'es sérieux? Je savais qu'il y avait un mec à droite et tout, je prévise et tout, et je le touche pas? Ça aurait été monstrueux, là, j'avais activé mon wallhack et tout. Une barre avec le manche rouge. Je pense que. Est-ce que tu l'as trouvé dans un coffre genre un gros coffre, celui en métal. Oh, c'est en train de me gonfler. Ouais, moi j'arrête déjà. Comment t'as su que je serais encore là? Ah, tu m'as vu. Putain, j'y crois pas. Le mec il m'a vu sur un poil de cul. Une hallebarde avec le manchon rouge, assis avec le set du chevalier aux ruines de Hain. Avec le set du chevalier aux ruines de Hain. Une hallebarde. Ah, je vois pas laquelle c'est. Bah après, je connais plus trop les armes et tout. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué aux deux. Je pourrais refaire un run à l'occasion. Pourquoi pas refaire un petit run de Dark Souls 2 et relax. Je savais qu'il y avait un mec qui serait en haut. Je me suis dit, attends, régène tes PV. Non, c'est bon, tranquille. Mais je savais qu'il y avait un mec qui m'attendait. Avec le set du chevalier au Rune de Aid. C'est pas la hallebarde du chevalier noir du coup. Puisque elle se trouve au. Salut à toi, CCDC Detrix, bienvenue à toi. T'arrives sur des sales games. Hein. Si vous voulez voir des bonnes games, reprenez la vidéo depuis le début. Genre les 20 premières minutes, il y a 2-3 belles games, après c'est de la merde. J'étais de l'avis contraire il y a 5 ans. Puis j'ai vu que tous mes jeux Xbox, je pouvais les avoir sur PC. Un dématérialisé, bien que je préfère avoir un CD, ça a au moins l'avantage de ne pas se rayer. Ah ouais, c'est celle-là. Après le mont Dragon, t'as un tout petit passage sous terre avec les gardiens juste avant le feu où tu croises. On s'appelle une meuf avec le masque. C'est Lucatiel. Lucatiel de Myra. Mais c'est pas l'hallebarde du chevalier noir, parce que l'hallebarde du chevalier noir elle se trouve dans les bois. Le bois des ombres, les Shadowwood là. Elle se trouve dans un coffre.
Attends, t'es sérieux? Tu savais que j'arrive? Et Shadow, il sait que j'arrive? Cimmerwood, il sait que j'arrive? C'est bizarre. Hein. Ah, t'es sérieux? Pardon. Il m'a baisé. Putain, c'est incroyable ce jeu là. Tiens, passe-moi la M27. Merci à toi pour ton follow, CDCDTrix, bienvenue à toi. Hey. Oh merde, je regardais à gauche au lieu de regarder mon écran, putain, je suis trop con. Putain. Pouh, c'est devenu dur le jeu hein. Mais les lagueurs, ça y va quoi. Ouais, c'est vrai que c'est on est pas trop servi là. Bah putain. Lucatiel est utile face à la pécheresse, c'est le souffle de l'heure. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends un mate avec toi dans le jeu, tes dégâts sont réduits de moitié pour deux, de deux tiers pour trois. Peux-je dire des tricks mordeurs, c'est mon galère, un petit peu, ouais. Ah, tu te barres ? Tu veux pas en faire une dernière Bon, attends, j'en fais une dernière, moi. Pour essayer de finir sur une bonne game. Et après, go for honor, si tu veux, Griffon, c'était toujours là. J'avoue que la hallebarde a une bonne portée et des dégâts corrects. Ça me convient, c'était comme avec la massue. Mais je sais pas laquelle c'est d'hallebarde. Je crois que je vois où tu l'as récupéré, mais... Comment elle s'appelle ? Je sais plus, faut regarder le wiki. Mais moi c'était pas ma préférée. Moi j'ai beaucoup aimé la hallebarde du chevalier noir, justement, je rushais pour la récupérer. Mais finalement je suis tombé sur une petite lance de Aid et je dois t'avouer que jouer avec la lance de Aid c'était plutôt kiffant. Ah, a priori, t'as la hallebarde du vieux chevalier. Elle fait 180 dégâts. Ah, t'es sérieux? Fallait que je retombe sur cette map de merde. Avec les mêmes ou pas? Non, avec d'autres mecs. Qui est déjà? Ok, bon, j'arrive dans 5 minutes. T'as une barde, une bonne portée, ouais. Tu dis déjà, j'avais le casse-tête sur ma première run, et elle est vraiment pétée en plus. Ah, moi le casse-tête, c'est vraiment l'arme PVP de folie, le casse-tête. Tu balances le R2 avec le casse-tête, et c'est vraiment un truc de fou, parce que si tu le times bien, le mec, tu le permacouches. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, 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 il est au fond. À quoi t'es passé, toi? Pourquoi t'étais là? Pourquoi tu t'es décalé ici? Pourquoi, couillon, pourquoi? Absolute faggot. C'est pas la vieille? Bah celle-là, elle demande 16 en force et 20 en dex. Je te l'ai envoyé sur Discord, ok. Face à l'araignée à deux têtes, je spam mes R2 sur les pattes. Elle est hyper simple à tuer en plus. À l'araignée, moi, elle m'a cassé beaucoup de fois les couillons. Hein. T'es pas sérieux, mec? Ça fait 3 fois que tu me tues ici, quoi, putain. Bouge un peu, bonhomme, bouge. Ah oui, 9-0, d'accord. Il est en train de jouer sa life. Ouais, il s'est pris un tomahawk. Bah alors ça, mon gars, c'est l'humiliation. Il est rentré dans le bleu. Ça va, spawn back. Oh, t'es pas sérieux? Comment t'as su que je serais là, quoi?
Genre, il y avait personne, le mec il a pré-shot mon demi-tour comme il faut quoi. Ok, bon, je l'ai pas vu. Ça a pas été la même chose face au dragon ancien. Je me suis régalé avec le casse-tête face aux deux monts dragons. Le noir avec l'arc, je l'ai eu en 3 coups. Ah ouais, 3 R2 s'il te plaît. Ouais, normal, il est extrêmement faible en fait. Il est extrêmement faible, c'est pour ça qu'on le tue vite. Mais j'avoue que faire un petit Dark Souls 2, c'est bon. Hein. Surtout que maintenant j'ai une nouvelle manette, alors ça va être encore plus la folie. C'était lui, je crois. Il me semble que c'était lui le mec qui attendait. En attente d'ordre. Moi j'y vais à plus ça, Holden, plus tard. Bonne soirée. Votre drone de brouillage. Non, bonne journée même. À la prochaine. J'ai pas assez de balles. Je n'ai point assez de munitions. Salle barre pour le Discord. Ça roule. Soit à 14h. Ouais, non, je suis un peu fatigué. C'est pas sérieux, il a réussi à me la mettre avant. Nom d'un chibre en feu. Regarde-moi ça, ce putain de lagueur de merde. Le temps de turn. Et au fait, j'ai réfléchi, j'ai donné mon conférence call à White Rocks et je lui ai demandé de ne pas te le donner. Ça roule. Ça marche, je pense qu'il est content. Je pense qu'il en avait besoin en plus. C'est bon, service, ça roule, merci. Je regarderai ça après. Putain, j'ai des timings de merde, c'est incroyable. C'était pas dans le coffre en fait. Ah! Bien, mais il est pas trop con, il est protégé. Forêt des géants défunts. Ok, bah du coup, ça aurait été une autre. C'était la hallebarde tout court, non? Une game à peu près potable pour s'arrêter là-dessus et partir sur un fort au nord. Ah bah je me casse. Ça roule, bye Feno, prochaine. Un petit Fortnite et puis bah t'as repris un turfu. Hein. À la prochaine Feno. Sinon t'as repris ton rythme de dodo normal ou... Ouais là ça va, j'ai eu une putain de crampe au mollet cette nuit, genre j'ai cru que j'allais mourir. Oh j'ai eu tellement mal. J'ai eu tellement mal. Yeah, daddy. Hello daddy. Hi! Ouais, ça marche. You are gay! Non! Je dégoûte les mecs! Ouais, je relance mon stream, à tout de suite!